Bonjour à tous. Bonsoir à tous, salut. Vous allez me prendre en marche. Je vais commencer la vidéo parce que j'ai pas trop le temps. Voilà, j'ai dû m'arrêter entre deux courses pour pouvoir faire, comment on appelle ça, cette vidéo. Voilà, hier je suis tombée, je pense que comme tout le monde a su la publication sur les réseaux sociaux de la copie intégrale, voilà, de l'acte de naissance de Soul et de Paris. Et j'aimerais me prononcer un peu là-dessus. Voilà. De toutes les manières, ce parti politique, c'est une misère. Ah, que dit de plus? Que dit de plus que ça? Vous êtes une misère pour la politique ivoirienne. Vous êtes inséré dans la politique ivoirienne de la plus mauvaise des manières. Et en plus de cela, vous, comment on appelle ça, vous ne faites rien pour vous améliorer. Comme on le dit, il y a que les imbéciles qui ne changent pas. Voilà, il y a que des imbéciles qui ne changent pas. Et vous continuez toujours dans votre lignée. Vous êtes, voilà. Vous allez de mal en pire. Voilà. Je pense pas, je pense que vous pensez que vous impressionnez qui que ce soit, mais pas du tout. Voilà. Vous donnez le dégoût, hein. Vous donnez envie de vomir la politique ivoirienne. C'est dommage, mais bon, comme on a, parce que n'est pas activiste qui veut, vous voyez. Surtout activiste dans l'opposition. Voilà, Nina Kwaku, soit saluée. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc, quand on dit qu'on est fort, quand on prétend avoir de la contenance, on s'en va sur un débat contradictoire. Voilà. Voilà. J'ai pitié pour votre intelligence qui souffre d'une carence en matière grise. Voilà. Vos cerveaux sont en état palliatif. Et ça fait pitié. Oui, Bamba l'a dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Vos cerveaux sont en état palliatif et ça fait pitié. Voilà, de savoir qu'un parti au pouvoir est capable de verser dans la merde, en plus des préfets, des sous-préfets, vous faites vomir. On dit il y a un problème de son. Ah bon? Vous n'entendez pas? On dit il y a un problème de son. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, écrivez. Vous m'entendez? Vous m'entendez ou pas? Est-ce qu'on m'entend? Répondez-moi si vous m'entendez. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce qu'il y a le son? Vous m'entendez? Ah, le volume est bon. Voilà, merci. OK. Donc, partagez la vidéo, invitez vos amis. Donc, vraiment, je vois que Soul de Paris vous fait vraiment peur. Voilà, il fait peur même à des gens qui disent qui ont la confiance de leur pouvoir et qui sont assis sur des fauteuils en Côte d'Ivoire et non des moindres. Qui s'adonnent à, comment on appelle ça, ils s'adonnent à des pratiques légères. Mais mettez les cœurs partagés, je suis désolée, après nos comptes sont vraiment attaqués. Donc mettez les cœurs partagés, parce que si les gens signalent mon direct, vous n'allez pas entendre. Hein. Donc mettez les cœurs partagés. Partagez, partagez, mettez les cœurs pour que vous puissiez entendre. Partagez la vidéo pour que vous puissiez entendre. Parce que c'est un signalement. Partagez et puis. Parce que quand ils signalent comme ça les directs, comme il n'y a pas beaucoup de partages, Facebook estime que ce n'est pas important. Donc Facebook essaie de couper le direct. Et quand ce n'est pas partagé, ça passe mal. Voilà. Donc partagez la vidéo.
Partagez la vidéo, voilà. Vous craignez pour des gens qui sont au pouvoir, pour des gens qui occupent des fauteuils à responsabilité, vous me faites vomir. Vous donnez le dégoût de votre parti politique. C'est même pas le dégoût de la politique ivoirienne, vous donnez le dégoût de votre parti politique. Mais en même temps, c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. C'est grâce aux armes là, qu'aujourd'hui vous pouvez prétendre à un fauteuil à responsabilité en Côte d'Ivoire. Parce que nous étions les armes, je vois pas comment un Nyambro peut être préfet ou sous-préfet dans une région. Si c'était pas les armes, si c'était pas la mort d'innocents, je vois pas comment un illettré peut prétendre un poste à responsabilité en Côte d'Ivoire. Vous faites vomir. Mais c'est pas de votre faute. C'est pas de votre faute. Parce que, intellectuellement parlant, vous êtes nul. Vous êtes nul. Et vous faites pitié. Parce qu'il ne peut y avoir que des minables pour sortir du champ politique et aller s'en prendre à la personne physique d'une personne. C'est que des minables qui se comportent ainsi. Et vous pensez que vous allez réussir à nous déstabiliser en exposant sa vie privée, en exposant sous le de Paris, en exposant son acte de naissance. Si vous voulez aller déterrer ses aïeux, vous êtes des minables. Au contraire, cela prouve combien de fois il vous fait peur et combien de fois vous le craignez. Avant, je pensais que on dit ça parce qu'on a envie de le dire. Mais chaque jour que Dieu fait, vous nous prouvez combien de fois vous le craignez en communication. Parce que malgré que vous avez fait un mercato, vous êtes allé au FPI, ramassé d'après tous les dieux communicants, vous n'arrivez pas à sa cheville. Vos cerveaux sont misérables. Vos cerveaux ont une carence intellectuelle qui ne dit pas son nom. Vous êtes dans un état palliatif qui ne dit pas son nom. C'est-à-dire qu'il n'y a rien pour vous. On n'y peut rien. Vous êtes arrivé à un stade où on n'y peut rien. Vous n'êtes pas récupérable. Vous êtes dégueulasse. Comme vous avez toujours fait. Qu'est-ce que le RDA en Côte d'Ivoire? C'est quoi la force de ce parti politique en Côte d'Ivoire? Vous vous êtes toujours imposé par la force, par la violence, que ce soit physique ou verbale. Vous avez tué des milliers d'Ivoiriens pour vous imposer en Côte d'Ivoire. Et vous êtes venu vous asseoir sur le fauteuil présidentiel. Regardez vos cadres. C'est des gens qui ont été parachutés à des postes de responsabilité. Des gens qui peuvent même pas diriger, ne serait-ce qu'une école. Aujourd'hui, ils ont des postes de responsabilité par la force des armes. Vous n'arrivez même pas à convaincre. Quand on voit vos vidéos, que ce soit sur les plateaux télévisés, ou bien quand vous avez, je sais pas, quand vous avez des bisbilles avec des gens, quand on vous voit, on voit vos vidéos circuler, c'est des injures vulgaires. Vous ne valez rien, vous êtes des nullards. Vous êtes des nullards. C'est la violence qui vous définit. Et sur tous les plans. Par manque d'arguments. Vous n'êtes même pas capable de mener une politique saine. Vous n'avez aucun remords vis-à-vis de toutes ces familles en Côte d'Ivoire qui ont perdu des milliers de personnes. Vous n'en tirez
aucun enseignement. Vous continuez dans la vulgarité. Et vous pensez que vous êtes sur le bon chemin. Soulé vous fait peur à ce point-là. Vous êtes quitté sur Soro. Maintenant, c'est sur Soulé. Vous êtes quitté sur Soro. Maintenant, c'est sur Soulé. Si ce n'est pas des femmes légères qui sortent sur les réseaux sociaux insulter sa mère parce qu'elles ne sont pas capables de rentrer dans un débat contradictoire, c'est des préfets, des sous-préfets qui s'adonnent à des pratiques, comment on appelle ça, qui n'en ont même pas un responsable. Vous faites pitié, hein? Vous faites vomi même. Vous faites vomi. C'est acte de naissance seulement. Allez déterrer la tombe de ses aïeux. Vous n'êtes pas allé déterrer la tombe de, comment il s'appelle là? Le monsieur du FPI là, qui est Ben Soumaoro, mais je ne sais pas comment il s'appelle là. Vous n'êtes pas allé déterrer sa tombe? Allez déterrer la tombe des aïeux de Soulé. Et vous allez vous exhiber avec ça sur la toile? Comme ça, on va savoir que vous êtes tout puissant en Côte d'Ivoire. Sinon, ce que vous faites là, c'est rien. Ce que vous faites là, c'est rien. Allez déterrer la tombe de ses aïeux. Sinon, si vous n'avez pas encore déterré la tombe de ses aïeux là, nous, on n'est pas choqués. Hein. Vous faites vomi. Et on a eu bien raison. Quand vous avez emmené votre pantin de ministre là, de ne pas aller à votre pseudo-réconciliation là. On a eu bien raison. Parce que c'est de la poudre de prélimpépin. Vous manipulez qui vous voulez à votre guise. Mais nous là, nous sommes vos terminus. Voilà. C'est pas l'orgueil. C'est pas l'orgueil. Parce que j'entends, je vois beaucoup de personnes. Ah, si ça aurait été aller demander pardon, tous ces problèmes allaient être réglés, mais il a gros. Non, c'est pas l'orgueil, c'est l'intégrité. C'est l'intégrité. On n'est pas tous faits pour monnayer notre dignité. Non. C'est dur. C'est pas grave. Nous résistons. C'est dur. Les injures fusent de partout. Les menaces, même nous là, dans une bosse, toi là, le jour où tu vas venir au pays, on va te violer. Tu sais qu'on va te montrer. Des personnes vulgaires, nauséabondes, dégoûtantes. C'est tout ce que vous connaissez. C'est tout. Il est inébranlable. La Bible dit, 7 fois le juste tombera, 7 fois il se relèvera. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Votre bouffon qui est à Paris, là, s'est permis de s'en prendre à sa fille. L'autre d'après lui, qui est, comment on appelle ça, qui est le pseudo-intellectuel qui n'a même pas eu 1% de voix dans sa région, là. Il s'en est pris à sa mère. Voilà une autre, une dévergondée, je ne sais pas où elle est sortie, 2 jours, là. Pareil. Vous faites pitié. Vous faites pitié. Vous donnez même pas envie. Nous sommes tués de partout, dans toutes les régions, dans toute la sous-région. Et quand si on vous a demandé la même, vous allez dire que vous êtes les tout puissants. Les gens nous regardent avec dédain. Nous n'avons plus de moralité en Côte d'Ivoire. Mais cela vient des premiers responsables de la Côte d'Ivoire. Là où en Chine, en Russie, les TikTok sont filtrés. Les enfants ont des images de personnes qui fabriquent des appareils de dernière génération, des fusées. Regardez les TikTok des Ivoiriens. Là où on voit autant de fouets, on applaudissait l'excellence. Aujourd'hui, on applaudit caillou dans son oreille, savon dans son oreille,
ta fille a mouru, mon fils. Ton fils a mouru ici. Le mensonge, la vulgarité, la dépravation. C'est ça qu'on applaudit. Mais la Côte d'Ivoire, la jeunesse ivoirienne a l'image de ses premiers responsables. Ah, on est au bord du paradis, hein? Si tu les as demandés, mais ils vont te dire qu'ils sont avec Jésus. Donc, si vous faites peur à ce point-là, chier, maman, il vous fait peur à ce point. Moi, je pensais que c'est Amira Blindé qui vous faisait peur. C'est sous le même qui ne se considère pas. C'est à quoi c'est inaccessible et puis tout le monde peut se lever pour lui parler. Là. Sinon, l'homme même que tu ne connais pas, mais on va te demander, la première personnalité de Côte d'Ivoire, ils vont te sortir sous les de Paris. Mais même président même, même chef de l'État a peur de saouler. Son ministre a peur de saouler. Quand tu veux aborder un sujet comme ça, dans son inbox, ça fuse comme ça. Les ministres écrivent, pardon mon petit, c'est pas ce que tu crois, c'est pas ce que tu penses. Vous avez raison d'avoir peur de lui. Vous avez raison. Parce que même votre mercato que vous avez fait, même les millions... Partagez la vidéo, c'est comment on appelle ça? Je suis désolée, mettez les cœurs, c'est parce que ma vidéo a attaqué, c'est tout. Voilà, ou bien voyez avec votre réseau social. Même les millions que vous avez investis dans votre communication de poubelle avec des pseudo-activistes que vous avez recrutés je ne sais où, n'a servi à rien. Malgré que vous avez pris nos comptes en otage. Nos pages sont restreintes. Restreintes de se restreindre jusqu'en... On dépasse même à peine les 100 personnes. Vous n'arrivez pas quand même. Vous n'arrivez pas. Mais vous insistez. Vous insistez. Regardez dans le visage de ceux que vous achetez. Moi, je vais vous dire. Peut-être qu'un jour, des gens vont pousser le président Soro à aller négocier avec Ouattara, parce que c'est le dieu de la terre. Mais ils vont aller négocier. Nous autres, là, nous allons rester ici sans négocier. Et puis, on va vous regarder dans votre politique. Parce que l'intégrité et la dignité ne se monnaient pas. Je suis désolée. Depuis quand la démocratie se résume par la dictature? C'est devenu un fait normal en Côte d'Ivoire. Ramatical soit salué. Abou Ouattara soit salué. Ah, il faut aller demander pardon, hein? Ah, il faut aller demander pardon. Mais on marche sur la tête. On marche sur la tête. C'est notre pays. On a le droit de nous retrouver sur la terre de nos ancêtres. Mais avant de rentrer en Côte d'Ivoire, là, on doit demander audience, demander pardon au Dieu de la Côte d'Ivoire avant d'y mettre les pieds. Parce que si tu n'as pas fait ça, les Akoto Yao, les minables intellectuels de la Côte d'Ivoire, ceux qui ne sont pas capables de prendre la relève et qui incitent à la violence, à la division et à la haine pour maintenir leur pouvoir en Côte d'Ivoire, ceux qui poussent le chef de l'État à se maintenir coûte que coûte. Parce qu'ils ne sont pas dignes de prendre la relève. Parce qu'ils sont nuls. C'est ceux-là qui maintiennent la violence en Côte d'Ivoire. L'exclusion en Côte d'Ivoire. Des xénophobes. Maintiennent la Côte d'Ivoire dans un état de non-droit. Parce que s'il y a la démocratie, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas, il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent pas faire. Des personnalités qui créent des armées parallèles pour traumatiser le peuple quand le peuple veut manifester. C'est dans quelle démocratie? Le peuple n'a pas le droit
de comment on appelle ça, de s'exprimer, de faire la grève, de manifester. Enza Daouda, sois salué. De s'exprimer. Tu t'exprimes, on s'en va soulever. C'est seulement que dans un état de non-droit, un responsable, plus est, un député, un préfet, peut exposer comme ça l'acte de naissance d'une personne et puis il n'y a rien. Vous êtes vraiment dans une déchetterie. Benago Diarassou, bassois, salué. Et vous appelez ça un état. Faites de la Côte d'Ivoire ce que vous voulez. Prenez-la en otage. Façonnez-la à votre manière. Le jour de votre départ, la Côte d'Ivoire sera lavée, nettoyée de votre sueur. Parce que vous n'êtes pas digne de ce beau pays. Vous êtes à l'image de votre pays d'origine. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est fier ivoirien. L'ivoirien, dans toute sa fierté, ne descend pas dans la poubelle. On ne sait pas d'où vous venez. On ne sait pas d'où vous sortez. Que non, nous sommes des oufouettistes. Je n'ai jamais dit qu'Oufou était parfait. Oufou faisait ses petites magouilles dans la sous-région avec ses, comment on appelle ça? Avec peut-être ses, avec ses, comment on appelle ça? Avec ses associés ou bien ses patrons, les blancs. Mais il faisait de façon subtile, en bonne intelligence. Et quand il se faisait prendre la main dans le sac, il savait comment régler ça. Mais pour vous, là, c'est fait de manière vulgaire. Vous donnez le dégoût. Ah non, vraiment, que le président Soro retourne chez son père. Père, c'est dû. Attachez vos pagnes. Montez vos pantalons. Serrez vos ceintures. Quand c'est dû, seuls les dû avancent. Vous voulez qu'on capitule tous? On est pressé? Ouattara a fait combien de temps dans l'opposition? Après 1980, après son arrivée de 90, il ne sait pas jusqu'à la mort d'Oufoué. Il a fait combien de temps dans l'opposition avant de venir au pouvoir? Combien de présidents sont passés après lui? Pour nous, là, ça fait combien de temps? 5 ans. Ou bien 3 ans seulement, on va capituler. On est pressé, on va où? On va où? Des gens ont 96 ans, ils veulent encore être président. Et c'est 50 ans de président, du président Soro là, qui va nous, comment on appelle ça? Qui va nous faire trembler? S'ils ont décidé que la Côte d'Ivoire leur appartient, que l'opposition doit rester en exil, ils n'ont qu'à prendre. C'est ça qui est quoi? Ils n'ont qu'à prendre. Des gens haineux qui ont décidé de venir à la tête de la Côte d'Ivoire pour se venger. On veut les mêmes droits pour tous les Ivoiriens. Hein? C'est parce que je porte boubou, on ne veut pas que je sois président. C'est parce que je porte boubou, on ne veut pas que je sois président. Hein? Dans mon propre pays, on me maintient en exil. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui? Même le nord de la Côte d'Ivoire qui appartient à tous les Ivoiriens. Vous interdisez le nord aux Ivoiriens. Préfet qui n'a même pas honte, misérable, minable, qui prend, comment on appelle ça, l'acte de naissance et puis s'en donner à ses petits blogueurs. Donc c'est vos activistes là qui vous font. C'est vos. Nous là, jamais un jour, tous ceux qui parlent au président Soro sur la toile là, c'est des gens qui le font de façon bénévole. On n'a jamais été encadré. On n'a jamais eu de téléphone. On ne nous a jamais payé. On n'a jamais eu réunion pour dire les activistes, là, venez ici, on va vous parler. Ou même le président Soro veut vous parler. C'est nous-mêmes qui nous organisons pour participer aux événements GPS. Nous nous imposons. Vous êtes dans RDL, là, chacun à son clan. On prend tout. Et les blogueurs, là, venez, on se sert des activistes. Activistes maintenant qui font votre communication. Vous êtes tellement nuls, vous n'avez même pas de communication. C'est vos activistes qui maintiennent, c'est vos activistes qui prennent les décisions à vos places.
C'est vos activistes qui vous influencent. Si activiste a dit, il faut arrêter telle personne, hein, demain, tu vas voir député sort, ministre sort pour parler, puis ils sont arrêtés. C'est activiste qui gère le pouvoir de Ouattara. Vous n'avez pas honte. Laissez l'opposition faire ça. Parce que nous, là, Dieu qu'on soit salué, parce que nous, là, on est dans l'opposition, on se bat. Vous avez déjà le pouvoir d'État. Et vous a donné à des pratiques, comment on appelle ça, minables. Ah non, voilà son acte de naissance, hein. Voilà son acte de naissance, hein. Voilà d'où son papa vient. Votre chef de l'État, là, son origine, là, c'est pas burkinabé. C'est pas à cause de sa nationalité burkinabé, là, il y a eu palabre dans Côte d'Ivoire, là. C'est pas à cause de sa nationalité burkinabé, là, que la Côte d'Ivoire a traversé le feu, le sang. C'est pas à cause de ses origines burkinabé là qu'il a perdu son procès face à Edith Lago et puis maman, comment on appelle ça, maman Naomi. C'est pas à cause de ses origines burkinabé. C'est pas à cause de vos origines là. Vous avez mis feu en Côte d'Ivoire. Et c'est vous les mêmes aujourd'hui qui vous asseyez et puis qui veulent parler de... C'est le même RDR qui a mis le feu en Côte d'Ivoire à cause d'origine des gens. C'est vous le même RDR aujourd'hui encore qui fait la discrimination à cause des origines des autres. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Il vous fait peur vraiment. Respect à Soulé de Paris. Franchement, hein, c'est quand tu as quelque chose dans la main, là, tu ne vois pas son importance. Mais après ce que vous avez fait là, quand je vois que c'est des personnes même qui ont des postes de responsabilité qui s'adonnent à ce genre de pratiques vis-à-vis de Soulé, je me suis rendu compte que mais vraiment il a une poste, il a comment on appelle ça, il a une place importante dans la politique ivoirienne. C'est-à-dire sa voix là influence plus d'un et vous le craignez. Parce que quand on ne craint pas quelqu'un, on ne le calcule pas. Une personne qu'on ne craint pas là, on ne calcule, on ne voit même pas la personne en peinture. Mais Soulé vous fait trembler. Jusqu'à aller sortir son acte de naissance, il vous fait vraiment peur. Si vous faites ça avec Soro, je vais comprendre. Je vais dire, ah, mais Soro même là, c'est un politicien. Oh. Il veut être président. Donc c'est à la guerre comme à la guerre. Mais des préfets qui sortent l'acte de naissance, ils ont donné au blogueur. Hey, voilà l'acte de naissance de Soulé de Paris. Hein. Allez, allez-y le 15, hein, ça. Vous avez déposé vos matières grises là, dans des, en soins palliatifs? Je ne sais pas. Utilisez. S'asseoir des postes de responsabilité là, c'est forcé. Vous pensez qu'on est dans Baka? Ou mais on a jamais où on entend de vendre friterie? Vous pensez que le pouvoir d'État là, c'est yougou yougou? Retournez à vos amours premiers. Allez faire votre commerce. Et puis libérer la Côte d'Ivoire de vos vomissures. On va avancer. Parce que vous retardez trop ce pays. On est au bord du paradis. On est au bord du paradis. Et puis quand ils disent ça, mais ils sont tellement convaincus de ça. On est au bord du paradis. On est au bord du paradis. Vous êtes au bord du paradis. Regardez dans les autres pays. Les autres pays que vous moquez là. Regardez. Ils vous regardent comme ça et puis vous pointent du doigt et puis se moquent. Avant, quel pays Afrique, dans la sous-région ici, qui pouvait face à la Côte d'Ivoire? Mais au jour d'aujourd'hui, là, qui nous respecte même? Qui nous calcule même? Qui nous respecte? Qui nous envie? Avant, des gens gagnaient des billets d'avion pour aller en Côte d'Ivoire. Au jour d'aujourd'hui, vous dites que vous êtes au bord du paradis, personne ne vous envie. Bizarre, hein? Bizarre. On peut être au paradis et puis personne ne va vous envier comme ça. On peut être dans le paradis et puis personne ne va t'envier. Mais vous donnez le dégoût. Vous donnez le dégoût. Charlie, sois salué. Voilà l'acte de naissance de ses parents. Hein. Voilà, hein. Lui là même, il est d'origine. Vous aussi, vous allez parler d'origine. Côte d'Ivoire. Vous aussi, vous allez parler d'origine. Vous aussi, vous allez parler d'origine dans le pays là. Donc dans le pays là, on parle d'origine. Mamma mia, yeah! C'est Dieu.
C'est dur. Merci la barre grammaticale. C'est dur. Vous êtes au bord du paradis, mais quand vous partez dans Côte d'Ivoire, là, c'est pour une semaine, deux semaines, et puis vous fuyez, vous venez ici en France. Bon, mon mentor au pouvoir, la Côte d'Ivoire au bord du paradis, et puis je suis dans le froid en plein hiver en train de me ramasser tous les microbes de l'hiver. Hein? C'est le bord du paradis, la même valise. Mais vous, vous êtes au bord du paradis. Mais tous les activistes, ils sont ici. Ils ne savent pas que le paradis, là, c'est là-bas qu'il faut aller en profiter. Ah, sous l'État, tu es un Guinéen. Ton président, là, c'est un Burkinabé. Ton ministre de la Défense, là, c'est un Burkinabé. Ta ministre des Affaires étrangères, ou bien intérieures, mais je ne sais pas, inférieure, mais ministre de quoi, là? Elle est, comment on appelle ça, guinéenne. Comment on appelle ça, président de l'Assemblée nationale, là, c'est un Burkinabé. Donc, vous êtes mal placé pour parler d'origine. Franchement, vous êtes très mal placé pour parler d'origine. Affaire d'origine, là, qui t'est dans ça? Tout le monde peut parler d'origine, hein, sauf RDR. Sauf vous. Parce que c'est à cause de vous, là, qu'aujourd'hui, là, la Côte d'Ivoire est gouvernée par un Burkinabé. C'est ça qui est la vérité. Ce n'est pas nous qui avons dit, hein, c'est ses papiers. Je vous dis, il n'y a pas longtemps ici, le chef de l'État a porté plainte contre Maman Gbagbo. Contre Maman Naomi Vétiédé. Ils sont partis au procès. On ne savait pas lequel des Ouattara avait déposé plainte parce que lui seul, il a trois actes de naissance et lui seul, il a trois dates de naissance. Je n'ai pas dit, on m'a dit, hein. J'ai dit, c'est les faits. Vous aussi, vous avez parlé d'origine. Oh, oh, yee, mamma mia. Vous me faites pitié. Fatim, le diamant de soi, salut. Vous me faites pitié. Mais sous les bravos, c'est sous les mêmes qui ne se prend pas au sérieux. À cause de ça, n'importe qui parle de lui, là. Parce que, apparemment, la deuxième personnalité. Hé, hey, Ramatical, vidéo que tu m'as apportée, là. Hein? Parce que, là, après le chef de l'État, là, quand on parle de la politique en Côte d'Ivoire, là, bon, après les politiciens, c'est-à-dire quand on parle de, on met Gbagbo à part, comme Soa à part, Bédi à part, quand on finit de citer tous ceux-là, les grosses têtes, là, quand on descend, là, c'est saoulé. Parce que tu t'en vas, même au Guatemala, tu dis saoulé de Paris, tout le monde le connaît. Je comprends pourquoi vous avez peur. Mais vous avez raison de le craindre. Craignez-le, c'est important. Parce que vous avez intérêt à le craindre. Craignez-le, c'est important. Bande de zozos, de zouaves à la tête d'un État. Quand tu as parlé, ah, oui, oui, on parle de politique, c'est vous qui venez inciter, c'est vous qui venez, ah, ils ont incité les chefs de l'État, on va le mettre en prison. Mais quand vous insultez là, pour vous là, c'est pas un jeu. Quand vous vous insultez là, vos cadres, vos responsables, là, comme c'est eux qui vous encouragent dans la, comment on appelle ça, dans les injures, là, ils sont pas capables de vous recadrer. Ben non seulement c'est eux qui vous financent, mais c'est eux qui vous encouragent à descendre dans la bassesse. Et avec ça, moi, tu sais qui je suis dans ce pays-là. Moi, tu sais qui je suis dans ce pays-là. Tu es quelque chose grâce à la violence. Grâce aux morts, tu es quelque chose. Grâce aux âmes, tu es quelque chose. Sinon, en temps normal, allons dans la politique, dans son entièreté. Allons en démocratie. Allons dans la légalité. Tu n'es rien, zéro. Tu vas te retrouver à Jamais Roxy en train de vendre des friperies. Parce que vous êtes beaucoup de nombreux comme ça qui ont été parachutés dans la politique grâce à la force des âmes. Parce que quand on va vous prendre là, on va demander diplôme. Si vous avez trop passé là, c'est le bac. Même bac plus un même, il n'y en a pas. Mais vous êtes député, mais d'autres même, ils n'auraient pas fait CM2. La preuve, regardez vos généraux. On en parle. On en parle. C'est vous qui faites qu'on ne vous considère pas, on ne vous respecte pas.
C'est vous qui faites qu'on ne vous considère pas, on ne vous respecte pas. Parce que vous ne vous respectez pas vous-même. Vous n'imposez pas le respect. C'est vous là qui faites qu'on ne vous considère pas, on ne vous respecte pas. Vous n'intimez pas le respect. Quand on vous regarde là même, on se dit, si ce n'est pas à la force là même, celui-là même, tu le prends, tu le broies juste quand tu le déposes. Alors qu'il y a eu des gouvernements qui sont passés ici. Même quand tu vois des responsables, même pour leur dire bonjour, même tu baisses ta tête. Mais vous là, des nombreux parachutés à la tête d'un État, vous êtes autour de, comment on appelle ça, du chef de l'État, comme des charognards, prêts à bondir sur la viande, parce qu'ils sont incapables de prendre la relève. Et vos comportements de misérables, de minables, vous gérez l'État de Côte d'Ivoire avec. Et quand on va laisser, on est pointé du doigt comme ça, on dirait nous sommes, comment on appelle ça, on dirait nous sommes n'importe qui ou bien n'importe quoi. Fiers Ivoiriens, c'est dans notre hymne national. Aujourd'hui, là, quel Ivoirien peut se taper la poitrine? Quel Ivoirien? Je vais vous laisser. J'ai dit, allez déterrer la tombe de ses aïeux. Allez déterrer la tombe de ses aïeux. Sinon, son acte de naissance, là, vous n'avez rien fait. Au contraire, cela nous a prouvé combien de fois vous le craignez. Combien de fois même le chef de l'État craint sous les de Paris. Vous n'avez pas peur de, comment on appelle ça, des djihadistes à la frontière. C'est de Soulé que vous avez peur. Bravo Soulé. Mais comme c'est un homme digne, il aura toujours la tête haute. Et puis il va vous framponner au calme dans la paix du Seigneur. C'est ce qui me plaît chez lui. Au calme dans la paix du Seigneur. Il ne va pas vous louper. Voilà. Et puis c'est duo. C'est pas duo. Soro en exilo. 100 ans. Il est fini dans politico. Il n'est pas fini dans politique. Soro pignon. C'est ça qui vous fait mal, non? Soro pignon. Soro aujourd'hui. Soro demain. Soro après demain. Pignon. Et ça vous fait mal. Vous vous demandez, mais comment on peut laisser un pouvoir d'État avec tout ce qu'elle peut nous procurer pour suivre quelqu'un qui est en exil? C'est pour vous montrer combien de fois on ne vous considère pas. Parce qu'on préfère zéro à vous. Imaginez. On préfère zéro à vous. On préfère celui qui est caché d'après vous dans tout derrière, qui est fini dans la politique. Là. On le préfère à vous. Donc imaginez combien de fois nous vous considérons. On vous considère tellement qu'on laisse la richesse de l'État pour suivre Soro Guillaume, qui est d'après vous, qui est fini dans la politique. Ça là, ça vous fait mal. C'est son finiment là même là qui nous attire. Quand on dit il est fini là même, c'est là-bas on coupe et puis on s'en va. Voilà. Laissez d'après, je vais prendre ce langage, je vais prêter ce langage vulgaire là aux blogueurs. Laissez les pauvres vous, comment on appelle ça, les pauvres courir à la mangeoire. Voilà. Nous c'est dur, mais on va rester là où c'est dur là. Voilà. Parce que si c'est pour aller s'amouracher avec des dictateurs, avec des criminels, en tout cas, je préfère rester dans mon Dieu. Et ça, qu'est ça? Est-ce que la Côte d'Ivoire va faire? Est-ce que quand vous êtes au pouvoir, là, la Côte d'Ivoire a changé de, comment on appelle ça, de situation géographique? Elle est toujours en Afrique de l'Ouest, non? C'est là qu'elle est implantée, c'est là qu'elle va rester. Est-ce que la Côte d'Ivoire va s'envoler? La Côte d'Ivoire va s'envoler? Non, elle est là. C'est ça qui est ça. Donc, tant qu'elle est là, là, un jour, on va retrouver la route. Bande de zozo. Quand on va parler, hein, vous parlez, vous insultez, on vous traite de la manière dont vous le méritez. On vous traite de la manière dont vous le méritez. C'est ça. La manière dont vous le méritez, là, c'est comme ça qu'on vous traite. Le jour où vous allez apprendre à faire la politique autrement, là, vous allez voir que tout le monde va s'aligner. Mais vous détenez le pouvoir d'État. Et puis, c'est vous qui vous a donné à des pratiques, à de sales pratiques. Donc, nous tous, on vous suit dedans. C'est parce que c'est bon que vous faites, non? Donc, nous aussi, on est dedans.
Si ce n'est pas bon, est-ce que le président peut faire? Est-ce que le ministre peut faire? Est-ce que le député peut faire? Est-ce que le préfet peut faire? Est-ce que le sous-préfet peut faire? Est-ce que le maire peut faire? Non, ça paraît, c'est bon que vous faites. Donc, souffrez qu'on le fasse aussi. C'est vous qui nous enseignez. Voilà, c'est ça. Ok? Donc, sur ce, buvez de l'eau. Nous, on continue notre chemin. On peut s'en prendre comme ça à des gens qui sont finis. Ah, GPS, c'est fini, oh. Condamnation 20 ans. Vous l'avez vu, on a parlé de ça même. Pour nous, c'est un non-événement. GPS, c'est fini peut-être pour vous, dans la dictature de Ouattara. Mais nous, dans notre cœur, là, GPS est là. Et restera là. Jusqu'à ce que le chemin s'ouvre pour qu'on aille sur le terrain politique en Côte d'Ivoire. C'est tout. Qui n'a pas fait exil? Qui est mort d'exil? Gbagbo est mort. Ouattara est mort. Non, donc on ne va pas mourir aussi. Donc on continue. Bon après-midi à tous. Allez vous adonner à votre sale pratique, parce que c'est tout ce que vous connaissez. Oh. Vous allez venir argumenter avec quel français? Avec français de, comment on appelle ça, d'école coranique là. C'est ça que vous allez venir argumenter. N'importe quoi.